Bien oui, bienvenue en ce lundi 24 décembre. Pour qu'il soit bien historique, le lundi on s'accorde dans le sommet de l'esprit. C'est la dernière ligne droite avant les stands. Alors, pour que le Père Noël il soit bien jaune, il faudrait qu'il prenne un peu l'avion. Ça part un peu sur tous les continents. Bien jaune, comme les gilets. C'est les humains, on va dire. Ceux qui sont ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, le lundi, on s'accorde en l'A432. C'est ce soir qu'il déboule le Père Noël. Mais c'est comme le bon vieux. On est tous dépositaires d'une parcelle. Sinon, si on n'est pas accordé, ça ne peut pas avancer droit. On restera dans le mensonge, la corruption et l'appât du bien. Ce ne sera jamais pour la planète. Donc, voici mes voeux. Exigeons le RIC sur toute la planète. Hein. Ça passe le tour du monde, le Père Noël. Comme le bon Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle. L'idée du jour, c'est ça. Pour repartir à l'an zéro, changer d'air et d'air. On efface tout, on recommence. Moi, je trouve ça pas mal, un Père Noël jaune qui part un peu sur tous les continents. C'est comme le message dans la bottle. Tu vois le truc? Je suis content, oui, j'ai dit ma connerie. J'y crois. Ça, c'est réveiller tous les enfants qui sont en vous. C'est comme sortir le gosse du placard, tu vois. Le gosse, on l'enferme dans le placard. Il est petit, on lui met que de la merde dans la tête. Il n'y a que ceux qui ont des sous qui s'en sortent. Les autres, ils agonisent. Par, pour et avec la porte de l'esprit, vous serez les témoins du pouvoir, par, pour et avec les peuples. C'est comme ça, puis c'est tout. Le nouvel ordre mondial, je vais te lui botter le cul, moi. Trop d'inégalités. L'injustice sociale. Le palais de l'injustice, pareil, un avocat, tu prends du Pont-Moretti, il y a du pognon, oh bah tu t'en sors toujours. Ne me dise pas que la loi et la justice, c'est la même pour tout le monde, s'il te plaît. S'il te plaît, qu'on me le dise pas. Le mec, il est franc-maçon, il se fait placher à 280, il n'a pas qu'un un point sur son permis. Une semaine après, on lui rend son permis et ses 12 points. Et monsieur est franc-maçon, petit-fils de milliardaire, quand même. Mais il est gentil. C'est le vieux de la trappe. Ne te mets pas martel en tête.